C'est parti. Rusty Lake présente. I remember that day when I returned to Paradise, the island of my family. Since I had received the message of my mother's death, the blurred childhood memories started to become more clear. From that first glimpse of the island, I could feel my mother's presence. It's hard to forget someone who gave so much to remember. The first plague, water turns into blood. C'est les plaies d'Égypte qu'on va jouer. Il y a un fruit. Ok, on peut pas interagir pour l'instant. Ouais, je vais pas l'arracher comme ça apparemment. Bonjour. Je veux une écrevisse. Bah, moi je veux 10 000 $. Voilà. Ouais, ça va, il se fait pas chier le mec. Et putain, ta main elle est grosse quand même hein, par rapport à ta tête. Ok, il veut une écrevisse, il va nous faire chier. Ah, une machette. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Donc on a du fil de pêche, on a une lettre. Clique sur le texte pour le traduire. Donc 22 avril 1796. Mon cher Jacob. À mon grand regret, je dois t'informer du décès de ta mère. Nous te prions de revenir à Paradise. Nous avons besoin de toi ici, ton père. Ok. Bon, bah c'est simple pour l'instant. Hein. On a un objectif. Alors j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on pêche. Ok. Bon, là on a tout ce qu'il faut pour pêcher, hein, concrètement. Par contre, j'ai pas d'appât. Ah! Ah, un verre! Yes! C'est pour choper le verre. Je peux pêcher d'ici? Comment je fais? Je sais pas s'il y a un endroit stratégique pour pêcher. Hop! Avec le verre. C'est percé! Bravo! Une crevette directe! Les crevettes, elles bouffent des asticots? Je suis pas sûr. Tiens. Des belles crevettes là. C'est le mec, il m'aurait pas laissé rentrer quoi sinon. Bonjour. J'ai un truc dans le nez. C'est dégueulasse. J'ai une sensu dans le nez. Tout va bien. Ça va, grand-mère? Good to see you, grandson. I'm sorry about your mother. Choulou. Bonjour. Dans ton bucket. Rien. Avec ça ici. Ok. C'était bizarre. Hein. Une sangsue dans le nez. Quoi. Ouais, c'est chelou. Apparemment, il y a du sang, quoi. C'est quoi le principe, non? Ça ouvre quelque chose? Non. Pour l'instant, ça sert à rien. Ah! Alors, tu la kiffes, ta crevette? My dear son, please, I'm thirsty. Pardon, monsieur, je vous ai pris pour une vieille dame. C'était très chelou. Oui, bah t'as soif, mais te fais pas chier, hein. Oh. Ouais, d'accord, ok. Je t'ai sauvé la vie, hein.
Alors, on voit toute la famille au grand complet. Je suppose que j'étais peut-être le dernier, non? Mon petit frère David, non. Ça, c'est lui. C'est moi, il y a 15 ans. Ah! Du coup, ça me donne accès à un autre truc. Mon père Nicolas. Donc, si je fais ça... Ah non, ça me l'a pas remis, merde. J'ai raté un truc. Bah, la prochaine fois, j'appuierai direct... Parce que là, j'ai pas voulu appuyer direct, parce que je voulais continuer ce niveau. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh. On n'a pas la clé. Neverending Nightmare. Oui, tu sais que j'avais crossfindé le jeu. Et j'avais été assez déçu. Parce que je trouvais que le jeu était très court et que... En fait, il y a des super bonnes idées dedans. Mais qu'à un moment donné, tu vois, ça se... Après, il y avait... Tu vois, c'était des idées recyclées et après, c'était pas... Enfin, j'ai pas aimé finalement, tu vois. J'ai été déçu. Ça arrive, hein. C'est dégueulasse. Je suis en train de couler, que c'est sensu, je vois pas la... Ouais. She prayed for your return. Please help us, son. Et je fais quoi? Paradise has been suffering since your mother. Attends. Ouais, regarde, il est sur sa main. Non, il s'en fout. Ok. Ah, est-ce qu'on peut traire la vache? Enfin, la vache. C'est pas une vache. Traire la chèvre. Vous donner à boire à la chèvre, c'est chou. Mais sympa, mais c'est vrai que sur la fin, tu restes sur ta faim. Ouais, c'était un peu. Je sais pas. Je trouvais que l'ambiance était super, mais en fait, après, à la fin, c'était rapide. Et finalement, tu sens qu'à un moment donné, l'auteur, tu vois, il avait plus rien à raconter. C'est dommage, hein, parce que je pense que il aurait pu y avoir beaucoup plus de choses, tu vois, beaucoup plus de contenu, quoi. Je sais pas, j'ai. Je lui donné des trucs. Ah, il s'est fait. Hein. T'inquiète. T'inquiète, Biquette. J'ai récupéré la sangsue. Avec 4 sangsues, je sais pas à quoi ça sert, mais. C'est avec ça, non? Faut que je les foute là, non? Ah! Ouh! Ok, je croyais que c'était un sourire au début, j'avais pas compris. Alors que par exemple, tu vois, Rusty Lake, je suis pas déçu. Le premier, c'était avec des animaux, là. Fallait faire des plats et tout en les cuisinant. Enfin, l'univers est génial. C'est vraiment... Après, il y a ce côté un peu glauque, un peu bizarre. Voilà, tu vois, il y a une clé. Mais on s'en fout, tu vois. C'est... Mais il y a beaucoup d'imagination. Plus d'imagination. Ah! Ce serait sa mère. D'accord, donc faut qu'on arrive à résoudre le... la plaie. Ça va, ils sont en haut dans le coin, ouais, tout va bien. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, mais c'est son cercueil, la pauvre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Faut pas le cercueil à la flotte comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un des symboles là. Et ça, je le prends. Ah non, d'accord, c'était un symbole. En fait, j'avais découvert un symbole. Waouh, 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 le cube, le cube! La secte du cube! Ok, tout va bien. Ok. Et j'ai un cube noir. Tout va bien. Le Saint Cube Noir était dans les écrits, tu vois, genre... On voit la rivière de sang, on voit des mouches, des sauterelles sûrement, parce que c'est le truc des sauterelles. Les sauterelles, ça peut tuer n'importe quoi. Genre un banc de sauterelles... Enfin, un banc, c'est des millions de sauterelles. Hein. C'est, des millions de sauterelles peuvent détruire des plantations, des...
des êtres vivants, enfin on peut bouffer des êtres vivants, c'est impressionnant. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je mets le cube. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je le ramène ou... Non, ça... Je suis pas sûr que c'est résolu notre problème de... de plaie... du sang qui apparaît dans le... dans la rivière. Comment ça va, Nekoriku? Bienvenue sur le stream. Yo, HPZ! Comment ça va? Oh là là, débarquement allié, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, Ratchet. Ah, Ratchet vous héberge. Merci pour le host. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On était sur des... tout à l'heure sur les Haunted démos PS1, qui était un pack de démos. En fait, c'est un des démos de jeux indépendants. Il n'y avait pas que des démos, il y avait des vrais jeux. Mais on en vient de le finir. Et du coup, donc c'est un truc qui date de 2020. Et du coup, c'était des jeux style PS1. Donc en 3D, toute moche. On aime ça. Et donc là, on est passé sur Eastie Lake. Je suis en train de voir là si on... Ah, laisse-moi tranquille, grand-mère. Est-ce que je peux redonner à boire, lui? Non, je peux pas. Du coup, là, on était sur le troisième épisode de Rusty Lake. On a déjà fait les deux premiers. En stream. Et du coup, là, je sais pas comment résoudre la... Je vais dire la plaie d'Égypte, mais... Je suis en dernier, je suis déçu. De quoi? Une chèvre. Voyez, oui, une chèvre. Le sang est coulé jamais. De quoi? De quoi parlez-vous, Neko? On doit avoir un truc à faire avec les symboles que j'ai vus. J'ai vu un symbole d'un pic, là. Peut-être dans la baraque. C'était bizarre, il y avait un symbole ici à voir. C'est moi, il y a 15 ans. Je pensais que c'était un autre truc, mais en fait, non. Donc ça, c'est notre mère qui est décédée. Non, on peut rien faire ici. Ah, un host, un raid de Doc Moreau. Oh là là, il y a tout le monde qui me raid, ça y est, là. Il y a tout le monde qui me host. Je suis le dernier à streamer. En même temps, j'ai commencé à 2h du matin. Alors, faut qu'on trouve la prochaine action à faire. C'est pas forcément évident. Est-ce qu'il faut que je verse du sang? Non, je pense pas. Ah! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, on a réussi. Deuxième plaie, les grenouilles. Ouais, c'est des plaies d'Égypte en fait. Qu'est-ce qu'il a là? T'as un truc caché dans ton pantalon. T'es en train de toucher tes coucougnous. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Hein? Ah, ça fait trop marrer. Allez, une troisième. Et bon, on va peut-être arrêter de cracher nos grenouilles dans notre slibar. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je dois faire quoi? D'accord, oula, énigme. Grenouille dans son pantalon, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout va bien, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. C'est quoi, je peux aller sur celle-là ou celle-là? Ok, d'accord. À chaque fois, ça s'éclaire un peu, on peut savoir où on peut aller.
Ouais, là ça sent un peu la loose, mais ça devrait aller. Ça va, elle peut aller. Ah, ça a pas marché? C'était trop loin? J'ai pas compris. J'ai pas encore compris comment ça fonctionnait. Hein. Je vous avouerai. On n'a pas le droit de revenir en arrière, c'est ça? Celle au-dessus du rocher obligée en dernier, peut-être. Ouais, c'est peut-être ça. Je suppose que foutre des grenouilles dans ton slip permet de garder les services 3 pièces humides. Mais pourquoi le garder humide? C'est ça le problème, c'est que... Oui, parce que comme on peut soit les sauter, soit... Bah écoutez, je vais la... On va sauter celle-là. Ah non, on peut pas. Ok. Alors à quel moment j'ai le droit d'aller dessus? Parce qu'à ce moment-là, j'ai plus le droit. Il faudrait que je garde ces deux-là, du coup, en dernier. C'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, elle s'éclaire, c'est vrai. La pierre, elle s'éclaire. Non, non, il n'y a pas de GG. Il faut garder ces deux-là, en fait. C'est pas encore GG. On n'est pas encore au niveau du GG. Ouais, d'ailleurs, là, je suis foutu, là, dès le début, là. Ouais, j'ai fait de la merde. Donc, faut qu'on garde ces deux-là. Ah, ça va être difficile, hein. Parce qu'à un moment donné, il va falloir revenir. Ouf, où je... ça va pas être possible, ça. Attendez, on va observer. On va observer quand elle s'éclaire, celle-là. Est-ce qu'elle s'éclaire maintenant? Yes. Ok, ça va. Ouais, c'était ça. Alors du coup, là, je pense que c'est celui-là. Donc, on va faire celui-là en dernier. Enfin, on va essayer de le garder comme ça, voilà. Ouais, c'est plus facile. Ah! Après, c'est bizarre parce que, bon, je pense que ça n'a aucun rapport. Hein. Des fois, c'est une croix, des fois, c'est un plus. Alors. Tac. Ah merde, là j'ai perdu. Perdu! Ces Frogger sans les bagnoles et l'autoroute, c'est vachement mieux. Bah, y a des vieux Frogger comme ça, là, où c'était. Enfin, sur Atari, je sais plus quelle version, mais. C'était pas Frogger le nom, mais en tout cas, t'étais une grenouille, il fallait attraper des mouches. Tu pouvais même jouer à deux. Enfin, c'est des jeux très très old school. Alors, je vais dans la merde. Ah, j'ai perdu, ouais. Faudrait garder ces deux-là, là, jusqu'au dernier moment. Si c'est possible. Ah merde! Du coup, vaut mieux aller sur celle-là dès le début. Et là aussi, je peux pas? Ah ouais. C'est la loose, ces trucs-là, là. Loul. Alors attendez. Le problème, c'est qu'on en a qui sont dans des diagonales qu'on peut pas voir tout de suite. Ouais, le problème, c'est que ça m'avait l'air bien, mais... À moins que je fasse ça, tac, 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 tout simplement. Voilà. En fait, faut pas penser en mode diagonale, faut penser en mode octogonal, en fait. T'es sûr que tu es obligé de faire tous les lunifères? Ouais, apparemment, ouais, Devil Mitchell, ouais. Ouais, faut penser... On peut pas... Donc du coup, il y a que celui-là ou celui-là qui permet d'y aller, en fait, par exemple, celui-là. Donc si je fais tac, 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 tac... Non. Tac. Je le saute, tac, 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 tac. Là, on l'a.
par exemple. J'ai une grenouille. J'ai la grenouille. C'est juste pour avoir une grenouille, d'accord, ok. Bah j'en ai déjà 3 dans mon pantalon, donc je comprends pas le principe. Ah, c'est mon oncle, je crois. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça. Mais t'es con. Bon bah notre oncle au gogol a mangé la clé. Donc il me demande, je pense, de la bouffe pour chier la clé, je suppose. C'est quoi ça? C'est une flûte? Putain, vous demandez plein de trucs, hein. Un chili pour mieux la chier, je pense que c'est ça le principe. Comme ça, il est sûr que tu vas lui trouver à manger. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des œufs, ça? Des œufs de grenouille? C'est quoi le principe? Faut les faire par paire? Ah, c'est par paire. Comme ça? Ouais, logiquement, ceux-là sont ensemble. T'as failli comprendre, hein? Une grenouille! Le jeu des paires, c'est ça. Putain, au début, j'ai pas compris. C'est genre, je suis comme ça, je suis. Oui, j'appuie sur des œufs, ils disparaissent, je comprends pas. On va faire une. Ah, on va faire une recette des cuisses de grenouille. Qui, pour le coup, est un plat très français, ça. Instant, je l'ai vu, j'ai compris. Ouais, bah, tu sais, en fait, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de jeu, Déco. C'est que. On n'a pas la même perception des mécanismes, tu sais. Et surtout avec les symboles, les trucs comme ça. Et du coup, selon ton expérience du jeu vidéo ou des Pulse en général, tu vois pas les choses de la même manière, en fait. Et il y a certains Pulse où moi, je vais galérer. Et vous allez trouver tout de suite. Et inversement. C'est ça qui est intéressant. Ah. Bon, je sais pas. Non, on n'a pas de cube pour l'instant, donc... Ah, faut peut-être trouver un cube noir dans chaque... Dans chaque chapitre. C'est possible, ça. Faire ça comme ça. Bon, là ça a l'air assez simple. Ah, la flûte! Flûte des grenouilles! D'accord. Ok. La flûte des grenouilles. Ah! On peut choper de l'eau. Non, c'est pas ça. Un truc à faire, peut-être mettre le cube après. Et avec, t'auras une troisième grenouille. Peut-être. On va voir. Faut aller voir notre sœur. Donc, pour vous résumer, on est revenu ici, à la maison familiale, donc qui est sur une île, sur le lac. Et parce que on a reçu une lettre de nos pères qui nous dit bah, reviens vite, ta mère est morte. Ça, délire. Ah d'accord, j'aurais une grenouille de toutes les couleurs. C'est les 4 grenouilles de ces Tortues Ninja, vous savez. Oh.
flipper vos conneries là avec votre secte des têtes d'animaux là. C'est un peu flippant. Ok, à force de regarder. Non, c'est bon, je veux pas. Laissez-moi tranquille. Du coup, on a 3 sur 4, mais je sais pas trop. C'est lui qui est la dernière, non, c'est con là, non? Oh, il est à la clé. Tiens, t'as besoin d'une ceinture. Ah, et si je lui mets sa ceinture, faudra pas me faire chier avec sa grenouille. Ah, et non, t'as pas pu. Ah, oh, il est déçu, regardez comment il est déçu. Donc voilà, on a 4 grenouilles. Oui, bah c'est bon, tu vas pas en vouloir quand même. Oh. Ok, on a 4 grenouilles. On va pouvoir faire chauffer la marmite. Alors du bois. Une bougie. Ah non, faut le feu. Ça c'est pour l'autre. On va mettre des grenouilles. Maintenant, grand-mère va nous faire sa spécialité. Voilà. La soupe à la grenouille, c'est dégueulasse. Ça peut être terrible. Il est où mon oncle là ? Cavale n'importe quoi. Tiens. Oula. Oui. Je pense qu'il veut de l'eau, non, c'est ça? Non, on va pas pouvoir prendre de l'eau de là, je crois. On va prendre de l'eau de là-bas. Non, on peut pas. Où je lui en... Non, je viens lui rechercher de la soupe. Putain. Ah, mais y'a plus rien. Mais grand-mère, t'as fait quoi? T'as bouffé le reste? Bah, je m'en fous de tes conneries. Allez, fais chauffer là. Merde. Je sais pas. Ah, ou faut qu'on trouve d'autres grenouilles? Je suis perplexe. Je suis perplexe. Good to feel your presence again, brother. Tu me fais flipper, toi, par contre. Je tenais à te le signaler. Ah, il faut lui... Ah non, il va revenir. C'est dégueulasse. En fait, il fallait juste lui donner de bol. Mais c'est dégueulasse. Tu vas le revoir? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu bizarre? Ouais, il fallait juste lui donner de bol, en effet. Je croyais qu'il voulait du contenu dans son bol. Ah, le cube noir. Putain, comment il s'est barré la famille de Cassos. Ouais, cette famille de... bien de Cassos. Bon, on va voir les 7 plaies d'Egypte, hein. Donc la deuxième... on a vaincu la deuxième plaie. Après, il y a quand même une plaie, hein, à un moment donné, c'est le premier-né meurt. Hein. Donc c'est nous le premier-né. Je suis pas très confiant là-dessus. The third plague, gnats and lice. Les moustiques et les poufs. J'ai un plumeau. Tape à mouche, ok. On a une cible, on a un rond avec un point, ok. Ah ben. Ok. Oula, il y a une plante carnivore. Ça, je vais pas pouvoir mettre la main. Ça bouffe les mouches.
Ça c'est bien, plante carnivore. Ah! C'est marrant. Ah, on dit, tu sais plus lesquels t'as pas fait. Non, ça va encore. Du miel! Ah merde, j'ai rien pour le ramasser par contre. Ah si, je peux? Ok, moi je l'ai ramassé. J'ai ramassé du miel. Vous voyez, c'est comme ça qu'on prend du miel comment dire ça? En harmonie avec la nature. Faut boucher, faut mettre son doigt dans les trous. Et à un moment donné, le miel il va couler. Tout va bien. Ah! Oui, bon, je pense qu'ils sont le bienvenu nulle part, hein, les poumons. Je te rassure, ma soeur. Je peux pas mettre des coups de. Non. Ah! Je vais pouvoir creuser avec la pelle. On va essayer de faire des vases. D'accord. Pour l'instant, c'est très mystérieux tout ça. Hein. Je vais voir s'il y a d'autres objets à récupérer. Un lâche. Et un escargot, pourquoi pas. Ah, c'est dégueulasse. They're everywhere. Attends, vas-y. Voilà. Ah. Ok. C'est la première fois que j'entends la voix de ce monsieur. Ah, Akishomos ? Moi ? Non. Voyons. J'ai entendu. S'il raconte. Je suis déjà venu streamer chez Kido. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, alors si je mets du miel, est-ce que j'attire les... Non. Salut Fafa, comment ça va? Ah, attendez, on a plein de trucs. On a une hache qui nous permet de couper l'arbre. De la glaise, ah, et de l'argile, hein. Yes. Bah, écoute, ça va, tranquille. On est sur Rusty Lake, ça peut pas aller mal. Hein. Tiens. Ah merde, il faut contenter toutes les plantes. Ça va être chiant. Coupons du bois. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais on l'a fait. Ah, c'est un passage. Des baies. Ah, on peut couper celui-là. Ah putain! La sève du boulot, elle rigolait pas, quoi. Ça coulait à flot. Ah, il va falloir faire des poteries. C'est ça, ouais. My blood sugar level is very low today. Et bah attends, on va te faire... tiens, il y a du miel. Merde. Il y a des bouches. Tiens. Et putain, le bordel quoi, les mouches. Et au bas de la sève, tiens. C'est dégueulasse. Mais il va crever. Regardez, c'est... Oh le bordel. Ça va, frérot? Wouah! Mais il est mort! Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Enfin, je le libère. Un coup de hache. Oh! Bulbe de fleurs, d'accord. Mais c'est dégueulasse! De perdu. Alors, il va falloir faire trois bases, j'ai l'impression. En l'honneur de notre mère. C'est quoi ce truc? Je sais pas. C'est un verre d'asticot. Enfin, c'est un asticot, quoi. Il est géant. Ah, attendez, on peut peut-être lui donner un truc. Peut-être lui donner. Tiens. Tu veux un escargot?
C'est quoi cette histoire de bulbe de fleurs là? Ah oui, je peux le mettre. Il y a une serre. Enfin, une petite serre. Allez, on va aller faire des bases. Je suis confiant en mon talent. Mon talent de sculpteur. Comment ça marche? Ah non, d'accord, je peux choisir. Ah, c'est pas mal ça. Mais comment je l'arrête? Ah, ou faut que je valide? Ouais, on est bien là. Non, on peut pas. Ah non, je l'ai mal fait. Je l'avais mal fait. Paf! Alors, qu'est-ce qu'on a? Un truc comme ça. Hop. Après là on pouvait mettre le bulbe. Des fleurs. Les escargots ça bouffe les poux ou pas? Non attends, on va lui couper les cheveux. Allez, c'est parti. Allez, on se casse les poux là. Ah merde, je vais couper l'oreille! Ah, c'est dégueulasse! J'ai coupé l'oreille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il faut mettre un truc entre les deux symboles. Faut creuser, je sais pas. Putain, je vais couper l'oreille! Ah! C'est un jeu pas pour les enfants, Neko. Si tu veux des. Voilà. Si tu veux des précisions, c'est un jeu qui n'est pas pour les enfants. Ou les âmes sensibles. Je donne l'oreille. Ah, peut-être qu'il faut donner le. Voilà. Ah, tiens une oreille. C'est gratuit. Peut-être des fleurs, ça va le contenter, non? Non, ça va pas le contenter. Ok. On va revenir là où il y avait les vases. On va les poser. Ça fait un truc? Non? Non? On s'en fout. Ok. Est-ce que tu veux des fleurs? Non, il s'en fout. Dégueulasse. Mais du coup, notre frère, il va renaître. Ah, très. Leur coin, ça doit contenir un de ces deux consanguinités. Ah, j'ai trouvé la boîte secrète. Oh non, pas un jeu de taquet. Laissez-moi tranquille avec vos jeux de taquet là. Ah, les jeux de taquet, mais je sais même pas où faut les mettre, tes merdes. C'est quoi, c'est sur les yeux qu'il faut les mettre? Ouais, oh, ça va me faire chier. Hein. Ah. Bon, ça va, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être bien espacé, on s'en fout un petit peu quoi. Ah, je déteste les jeux de taquet, c'est un truc de ouf. Je trouve ça nul. Y a une stratégie hein, avec les jeux de taquet et tout ça, mais je veux pas l'apprendre, ça me fait trop chier. Bon, restez simple. Ah, un deuxième bulbe. Ah merde, donc j'aurais pu faire pousser une autre plante. Quoique je peux toujours. Hein. Faire pousser une plante. Et ça, il va pas s'ouvrir? Ah, coup de hache, ok. Et j'ai une moule. La moule magique. Donc c'est comme je pensais, tu vas avoir trois fleurs. Ah, pour les mettre dans les vases. Ah. Alors, si on lui met une... Ah, bah je vais avoir le bulbe, là. Non? Ah, voilà. Et oui, en effet, on va avoir trois fleurs. Yes. Et du coup, on va aller là. Ah mais vous avez pas vu route, hein. Neko, t'as pas vu route, hein. C'était glauque, hein. Mais c'était génial. Enfin,
franchement, j'ai grave kiffé. Ah! Et ça a formé un cube, non? Ou pas? Mais c'est ignoble! C'est où là? Ah! Il y a le cube derrière. C'est mystique! Ouais, bah à la limite, si tu prends la hache avec ta main comme ça et que tu passes sur la. Mais normalement, une hache n'est pas faite pour ça. Enfin, dans le sens où c'est pas censé être très coupant, une hache en fait, en vrai. C'est vraiment pour éclater le bois, pas pour. Ça casse le bois avant de le couper, hein. C'est pas futé normalement. Sinon, ça a futé pour tuer des gens, quoi. Ah, voilà, tac. Alors, bizarrement. Merde, non, je vais continuer. Bizarrement, ici, il y a un reposoir, je sais pas pourquoi. J'ai pas trouvé. Peut-être un secret. C'est très glauque, mon jeu, ouais. T'inquiète. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Voilà. La prochaine, c'est. Les mouches. Je suis prêt. Oui. Bon, c'est pas pour tout de suite. Il manque un élément. Pour une âme, rien. Oui. Le paradise. Je sens qu'il va renaître notre frère, ça va être dégueulasse. Voilà. C'est un papillon ? Ah. Ouais, il est rené comme une mouche, hein, il va nous faire chier. Des cœurs, d'accord. Un lapin. Le bruit. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? Je peux pas là. Il y a un truc caché là-dedans, j'ai l'impression, mais je peux pas l'ouvrir. Ah! Sauf que je connais pas le code. Ah, si, je le connais du coup. Faut faire ça. Je le mets là. Attends. Ok, donc ça c'est fait. Enfin, on peut le laisser, hein, du coup. Quoi que non, attends, on va. Oh putain! Mais elle est morte ou... La peur ne m'a pas rendu aveugle, d'accord, ok. Ah oui, elle est aveugle, c'est pour ça, elle lui a coupé l'oreille. Bon, allez, on va sûrement le retrouver avec son tube enfoncé dans le cul de la sœur pour avoir... Bon. Ouais, t'es peut-être pas très loin de la réalité. On a une pelle! Bah je crois qu'elle se cache. Je crois qu'elle se cache dans sa caisse. Et elle a pas tort. Enfin, si je fous le feu à ça, il y a un truc là, non? Go, find your brother. Mais grand-mère, t'es en train de brûler. Attends, il y a des trucs bizarres là.
Je ne sais pas. Ah, c'est comme dans Roots. Faut que je fasse un truc comme ça? C'est pour l'héritage? Ah, c'est quand même Bernard l'ermite, c'est ça? Oh là là, ça se complique. Allez, c'est parti. Et pourquoi là, je sais pas. Me posez pas de questions, je sais pas. Alors, du coup, il y en a au moins un comme ça, je suppose. Ça marchera pas, ça. Si je fais ça, ça marche ou faut que je les chope tous? Je sens qu'il va falloir que je les chope tous, donc... Ah, attendez. Je crois que j'ai compris. Si je fais ça... Comme ça, non? Ah non, ça n'a pas marché. Sauf si je le mets comme ça. Non, ça n'a pas marché. Parce qu'il y a un décalage. Et le maudit, ça chatouille. Oui. Dans l'esprit, c'est ça, mais je l'ai raté. Alors attends, comment on pourrait faire ça? J'ai le droit de parler d'Elmo. Tu veux que j'inverse, c'est-à-dire? Ah, genre comme ça? Ouais. Ouais, en effet. C'est le problème, c'est qu'il faut que je chope l'autre en premier, ouais. C'est ça. Voilà. Non, ça va, là, ça tient. Ça tient bon, là, c'est... Ça a l'air de marcher. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, il a cette la même merde, là. Il va falloir un truc... Oula, alors attendez. Parce que là, il m'en faut un là. Bah là, c'est simple. C'est plus simple que tout à l'heure. Enfin, je trouve. Ok, c'est la fête à la saucisse. Bon. Putain, il y en a plein là par contre. Putain, le bordel. Si je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, et j'ai perdu. C'est pas par là qu'il faut passer. Je passe par là sinon. Oula, attendez. Deux vers le bas, deux vers le haut. Et à chaque fois c'est par deux. Donc là-dessus il n'y a pas de... Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Est-ce que je dois tous les gérer comme ça? Mais là par contre, ça peut pas être ici. Il faudrait que ce soit plutôt... Merde.
Merde. Ça marchera pas parce qu'on est trop bas en fait pour faire ce que je veux faire. On est trop bas. Ah non, mais ça va marcher, il va. Ah, où je fais ça? Ouais, mais non, parce que. Ah, où je fais ça? On s'en fout. Ouais. C'est vrai qu'en fait, on fait ce qu'on veut, donc en fait. C'est vrai qu'on fait un peu ce qu'on veut. Donc c'est vrai que bon, tout ça, tu étais pas obligé de passer dedans, quoi. Te faire chier. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Il va nous bouffer le. Chair de crabe. Ok. Ok. Ah, ils sont tous en train de se planquer là. Tiens, je suis éther. Ah, t'es dans la merde là, hein, je t'ai déterré, hein, tu vas crever. Petit bâtard. Tiens, une carotte. Petite branche, ok. Un an. Il y a un an de plus, je suppose. J'ai deux bâtons. Je crois que je n'en ai ramassé qu'un. Ah, je vais peut-être pouvoir faire un. Ah, déjà avec la carotte, on peut attirer le lapin, non? Bah, je crois que quand ils ont vu l'état de du frère là, ils ont commencé à paniquer. Oh, il va bouffer des trucs de plus en plus gros, je sens. Alors, de la chair de lapin, je le sens là. Paf. Cœur de lapin. Dégueulasse. Par contre, je sais pas trop à quoi ça sert. On peut peut-être utiliser le verre sur l'oiseau au début. T'es là, non? Je sais pas. Ah! Mais faut peut-être mettre quelque chose dessous parce que sinon il n'y a pas y aller. Désolé. Il va nous bouffer tous les animaux de l'île là, putain, il y a trois animaux sur cette île. On va pas tout bouffer là, on va être dans la merde après. Cœur d'oiseau. Ok, mais casse-toi. Vilain frère! Bon, j'ai des cœurs, je fais quoi avec? Je les fous dans la marmite. Ah, ici. Ah, ici, c'est vrai. Il y avait ça. Hop. Bon, je suis pas sûr que la chair de crabe ça fasse ça, mais bon. Un diamant. On peut mettre là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah. I need her memories. I need to find. Le cube. Alors, merde. Est-ce illégal? Merde, putain. Ah, à chaque fois je le ferme parce que. Alors, le jour de gloire du lac viendra. Attends, mais je vais vous lire la suite. L'un trouvera la mort. L'autre, l'élimination. D'accord. L'élimination. The Chosen One. L'élu. L'élixir de vie et de mort. Ah, c'est la même thématique qu'avant.
Oh le bordel. Extraction des souvenirs. Lina.fr, c'est quoi ça? Une vidéo de Lina? C'est une pub? Et le mot chatouille-moi. Putain, c'était. Mais il n'y a pas longtemps là? Ah, en 97? Mais il s'était ressorti il n'y a pas longtemps, non? Une version moderne de le mot chatouille-moi. Il y a eu. Comment il s'appelle? Les South Park qui a fait une parodie. Déjà, il y a Elmo. Elmo. En fait, quand il est à côté de toi, il te touche la cuisse, tu sais. Et t'as les enfants qui font méchant Elmo. Il pousse la main et il a remis méchant Elmo. J'étais mort de rire, j'en pouvais plus. C'était que ça. Ah, merci pour le follow d'ailleurs, Madoka Shinren. Merci à toi. Oui, n'hésitez pas à follow hein, si vous voulez suivre mes streams. Un peu en mode sauvage. The Hungry Ghost. Elmo arrête de me toucher. C'est ça. Ouais. Oui, alors on l'a vu, le Hungry Ghost, le fantôme affamé. Rétablir l'harmonie entre tes vies passées. Nos souvenirs appartiennent au lac. L'élu. Ok. Ah! Et les symboles, donc S, c'était sur 1. J'ai pas vu les autres. Donc, 3 pour la feuille. 8 pour le rond. Et X, c'est 10, je suppose. Alors, ça c'était quoi alors? 8 le rond, 3 la feuille. On va regarder. Non, pas le père! Casse-toi! Tu vas pas tuer ton père! Oh le bordel! Non, méchant! Méchant frère! Wouah! Alors je pense que le père il est mort. Ouais! Bon bah papa est mort. Je sais pas si c'était évitable mais j'ai pas pu l'éviter. C'est pas une grosse perte et son cinglé, c'est vrai. C'est pas faux, on va dire plutôt. Hop, on combat la mouche. Et j'ai peur que la vache là au sol à côté là ça va être la peste ou je sais pas quoi. Bah tiens, on va le voir.